Est-ce que tu dors? Attends. Tant de hâte est inutile. La triforce de la force. Je suis en train de lire les rêves de cette jeune fille. La mer, la mer, la mer, la mer. Une mer infranchissable. Une mer désertée de nous, de tout poisson. Une mer dans laquelle nager est impossible. Que prétend le roi d'Iru? Que les dieux ont scellé son royaume? Qu'ils ont laissé fuir une poignée d'élus pour qu'ils reconstruisent un jour son royaume? Ridicule! Le pourrait-il à partir d'une dizaine d'îles minuscules? Pourquoi garder un espoir aussi vain? Et donc est-il si naïf pour ne pas comprendre que les dieux ont abandonné son royaume? Ha! Je t'attendais. Tu mérites de m'affronter puisque tu es le héros. Tâche de ne pas me décevoir. Oh là là! Ganon. Du moins, ce qu'on peut penser que c'est Ganon. Alors, le but ici, c'est de devoir couper tous ces liens. Et faire attention avec ses attaques parce qu'il inflige un cœur à chaque fois. Évidemment, le but, hein, c'est. What, ça t'attaque où là? Évidemment, le but, c'est d'attaquer ceci. Allez, on continue, on continue, on lâche pas. Oh, j'ai déjà détruit une. Allez. Qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Voilà! Ah, Ganon l'araignée! C'est parti pour la deuxième phase. Une fois. Deux fois.
Un peu de magie? Rien du tout. Parce que ce combat consomme pas mal de magie, à vrai dire. Donc c'est, on va dire, ici avoir la double magie, c'est très agréable. Allez, la dernière phase. Alors là, par contre, je tire un peu n'importe comment, hein, je dois vous avouer. Et je sais pas pourquoi cette musique me fait beaucoup penser à Pokémon. Une fois. Raté. Putain, il fait des... Il tourne sur lui-même. Ok. Il fait pas mal du tout. Oh, aïe aïe aïe. Il fait pas mal du tout. Hein. Pff. Je comprends rien à ses mouvements. Yes, c'est bon. Ah bah Link alors. Bien, nous voilà donc face à face, digne successeur du héros du temps. Le moment est venu. Soit, alors monte. Leviosa. Non, c'était complètement nul. Allez, parti. Let's go, let's go. Faut monter. J'ai quand même utilisé deux potions bleues, hein. Et bon, il me reste la soupe de mémé et une autre potion bleue. Donc ça va. Alors la suite se trouve ici. Doucement. Faut monter, hein, il faut pas descendre, hein, évidemment. Là, on a plein de trucs. De la magie. Et des sous aussi. Sait-on jamais, hein? T'en jamais, hein? Il y a peut-être une boulangerie, hein, chez Ganon, hein? Peut-être pour ça, hein, qu'il y a des rubis par-ci par-là. Alors.
Voilà. Allez, bon sandwich de Ganon. Hé, hey, Ganon, elle est où ta boulangerie là? Mon pays se trouvait au milieu du désert. Et il n'y avait pas de boulangerie, tu m'entends? Un jour, un vent incandescent l'embrasait. Et quand la lune se levait, le vent devenait glacial. Le vent apportait avec lui la mort. Jamais un vent si malfaisant n'a soufflé sur cette terre d'Hyrule. Étais-je jaloux du vent d'Hyrule? Ou le destin en avait-il décidé ainsi? Nous voici donc réunis, les trois détenteurs d'une partie de la Triforce ultime, de la Force ultime. Le pouvoir d'or de la Triforce des dieux exauce les vœux de la personne qui la touche. Les dieux descendront quand les trois Triforces de la Force, de la Sagesse et du Courage seront réunies. Et quiconque touchera le pouvoir des dieux, quiconque touchera la Triforce, verra tous ses vœux s'exaucer. La Triforce de la Sagesse est déjà mienne. Reste celle. Et c'est un tatouage? Au revoir. Hé là, n'aie crainte, je ne vais pas te tuer. J'ai juste besoin de toi. Bien, il est temps de mettre un terme à notre histoire. Voilà, j'ai touché la Triforce, j'espère être riche. Oh Dieu, écoutez ma requête. Que revienne la lumière sur cette terre et qu'Hyrule soit mienne. Quiconque touchera la Triforce verra tous ses vœux s'exaucer. Tu l'as dit toi-même, Ganondorf. Ganon ne fait pas le poids contre le roi. Oh Dieu de la Triforce, écoutez ma requête. Je vous demande un avenir. Donnez à ses enfants un avenir rempli d'espoir. Détruisez la terre du passé. Détruisez Hyrule. Et éclairez l'avenir de ses enfants. Et que cesse également notre querelle. Ganondorf soit anéanti avec le royaume d'Hyrule. Au revoir la Triforce! Votre avenir? Tu ne devrais pas rire, odieux personnage.
Pardon, Link, j'étais endormi. Vite, partons d'ici. Rentrons chez nous. Regagnons notre mère bien-aimée. Très bien. Alors montrez-moi. Montrez-moi à quel point vous désirez avoir un avenir rempli d'espoir. Voyons si vous méritez la Triforce. Ça fait le monumental, quand même touchant dans Ganondorf. Je suis assez d'accord. Je vais t'aider avec ça. Frappe-le de toutes tes forces. Allez! Allez, go, 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 go! Oh! What? Putain, je me suis pris la flèche de lumière. Oh bah, monte Souche à Zelda là. Oh putain. Allez! Oh bah! À force de spammer, hein! Pogué, cœur d'une. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça! Merci, oh bof! Link, j'ai une bonne idée! Écoute, je vais te viser, utilise ton bouclier pour. D'accord? Oh bah, raté! Putain! Mais non! Putain, mais apprends à viser! Et maintenant? Mais non, mais... Mais quoi? Mais je sais, mais pourquoi ça marche pas là? Merci. Le vent souffle. Link. Mes enfants, écoutez-moi. J'appartiens au passé et j'en suis nostalgique. Depuis que j'ai été rappelé sur cette terre, pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à mon royaume d'antan. Tout mon être est lié à ce royaume.
Sans doute était-ce d'ailleurs mon seul point commun avec Ganondorf. Mais je veux que vous ayez toujours, vous, le regard tourné vers l'avenir. Peut-être que la vie ne vous offrira rien d'extraordinaire. Quelle importance! L'avenir vaut en tout cas la peine que vous découvriez ce qu'il vous réserve. Adieu. Nous autres adultes, nous avons laissé un monde bien tourmenté. Pardonnez-nous de ne pas vous avoir laissé un monde meilleur. Oh, cette musique! Mais vous pourriez venir avec nous? Nous avons un bateau. Nous finirons bien par trouver ou reconstruire le royaume d'Hyrule. C'est vrai? C'est gentil à toi, mais le royaume que vous construirez ne sera pas Hyrule. Ce sera votre royaume. Allez, mes enfants. Je crois pas que le royaume s'appelle Hyrule hein, sur la mer. Hein. Il me semble pas qu'il s'appelle Hyrule. Hein. Fui, enfin, oui, certes. Et je crois que l'univers de Phantom Hourglass et de Spirit Tracks, je suis pas sûr que ça se déroule à Hyrule. Ah, Skaf. Et du coup, Tetra est redevenu Tetra. Oui, d'ailleurs, du coup, c'est le même écran hein, sur mon... Et là, je pense que vous pouvez bien voir le décalage, justement, entre le stream et ma webcam. Ah, Ariel est devenue une pirate. Spirit Tracks, c'est Hyrule, d'accord. C'est vrai que Phantom Hourglass est dans une sorte d'univers alternatif. De toute façon, il n'y a aucun Hyrule qui se ressort donc à ce stade. Hein. Oh, il y a Medoli et du Moria. Et voilà, c'est la fin du stream. Enfin non, pas la fin du stream, hein. La fin du jeu. Ah là là. Je suis super content d'avoir pu vous proposer ça en stream. Vraiment, je suis super content. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas relancé. Putain, 6 ans que je l'ai pas relancé. Alors, j'exclus les randomizers, parce que bon, les randomizers, je ne suis plus l'histoire, du coup. Mais je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que je n'ai pas retouché à ce jeu, en vrai. Hein. Et bon, je le connais extrêmement bien, certes, parce que je l'ai fait plusieurs fois, mais bon, voilà, quoi. Je suis super content d'avoir retouché, c'est... Bah, c'est toujours un de mes Zelda coup de cœur, en vrai, hein. Ce genre à Zelda que j'apprécie énormément. Ah, bah, il n'y a pas de souci, Darmaniac, et il y en aura d'autres.
Mais d'abord, comme j'ai dit, on fera une petite pause au niveau des streams. Je pense que demain, comme dit, je ferai un stream de Pokémon, mais ce sera le soir du coup. Quoi qu'on est quel jour en vrai? Ah, attends, on est vendredi. Ça, je serais peut-être plus tenté de le faire l'après-midi en vrai, je sais pas. Peut-être plus l'après-midi pour Pokémon en vrai. Parce que c'est quand même plus cool de jouer 2 jours in-game, quoi. Donc ouais, demain on fera du Pokémon et ensuite, vu qu'il y a la Game Zone Quick, il n'y aura pas de stream pendant une semaine. Et j'en profiterai pour monter un maximum de vidéos encodées et tout. Enfin voilà, je tenterai de finaliser ça au plus vite. Oh, mais t'inquiète pas, Darmaniac. En fait, après, il faut savoir un truc, c'est que je stream parce que j'ai vraiment pas d'autre chose à faire. Hein. Je suis vraiment seul dans mon appart et le fait de faire des streams, moi, ça m'aide beaucoup. Enfin, je veux dire, ça me permet déjà de discuter avec des gens, d'une part. Hein. Enfin, du moins, quand il y a des discussions, forcément. Et ça me permet de partager les trucs. Ça, c'est toujours un truc que j'aime. Hein. Mais jamais je me suis forcé à faire des streams. Hein. Je veux dire, si je fais des streams, c'est parce que j'en ai envie. Bon, là, je voulais absolument finir le jeu avant le truc, mais bon, voilà. Du coup, je sais pas combien de temps j'ai passé dessus. Parce que là, on est à 3 heures de stream. On est à 3 heures de stream avec la petite coupure. Cinq heures, 10 heures. Attends. On a fait 10h, 14h30, 17h, 19h, 22h de jeu. Et franchement, ça va, hein? Il est pas si long, entre guillemets, pour un Zelda, je trouve. Hein. Parce que Twilight Princess et Skyward Sword, ils sont beaucoup plus longs, il me semble. Hein. Et là, en 22h, il est terminé. Franchement, je trouve que ça va. Non, il est vachement. Je dirais pas qu'il est court, mais il est pas long non plus. Hein. Ouais, 22h. C'est un bon ratio, je trouve. Regardez mes deux lits, comment elles sourient. Bon, ouais, ouais, il est un peu plus long en classique. Parce que t'as la quête de la Triforce qui est rallongée et t'as pas la force. T'as pas la voile rapide. Donc, ouais, il est un petit peu plus long. Mais je trouve ça mieux qu'il en. On va dire. Le jeu est un petit peu plus court. Mais c'est pour la quality of life, donc pour moi c'est une bonne chose, quoi. Pour moi c'est une bonne chose. Bon, les gens. Alors les gens, par contre, sur le stream. Parce que je dirais pas ça à YouTube, hein, parce que YouTube, ils verront ça un petit peu plus tard, sauf s'ils vont sur le Discord, du coup. Est-ce que vous voulez savoir le prochain let's play, hein, qui se déroulera un petit peu plus tard, du coup? Est-ce que vous voulez savoir le nouveau let's play? Ah, Link et Tetra. Non, c'est pas Twilight Princess. Ah, le lion rouge s'est éteint. Mais il reste toujours un bateau. Allez, le roi des pirates, ce sera Link, évidemment. Non, on sera pas un Zelda.
T'as mes Twilight Princess? J'ai pas envie de le faire en vrai. Je suis pas fan de ce. Bref. Levez l'ancre! Personne à la barre! Que. Le vent décide de notre cap! Hey, il a toujours la voile rapide du coup, Link. Et voilà! Et voilà. Et bah du coup, bah c'est la fin du let's play. Voilà. Attends, il y a encore un truc. Ah oui, le New Game Plus. Sauvegarder, oui. Enfin, non, en fait. Voilà. Pas la peine de sauvegarder parce que j'ai déjà le New Game Plus, en fait. Qui se trouve là. Et voilà, 2014 ici et 2021 ici. Ça fait presque 7 ans, putain! Ah la vache! Non, c'est pas. Bref. Bon, allez, merci à ceux qui ont regardé ces vidéos, ces streams. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Salut!